sachez que nous sommes là pour la deuxième journée et nous aurons examiné les points essentiels et que nous voulons voir ce que nous voulons donner tout à l'heure. Je vous remercie. Oui. Concernant le déroulé de la réunion, nous aurons dans un premier temps le compte de chantier de fesses sur le cadre de cette réunion. Après, il y aura la vérification du quorum. Lorsque le quorum sera atteint, voilà, le conseil sera normalement délibéré. Et nous aurons les interventions de M. le maire, qui va nous souhaiter la traditionnelle bienvenue, qui est le Fontamana. Ensuite, M. le préfet va prendre la parole pour vous donner quelques conseils pour le bon fonctionnement et le bon déroulement de cette séance. Pour vous donner aussi des conseils visés par rapport au développement de la commune. Après quoi, nous allons, le maire va présenter l'ordre du jour. L'ordre du jour, il va soumettre à l'adoption des conseils municipaux. Une fois que cet ordre du jour est adopté, voilà, nous allons examiner les points de l'ordre du jour et puis celui des débats. Et au terme de cette réunion, M. le maire va examiner tous les points lors de la réunion et certainement enlever la séance. Voilà, M. le maire, ici présenté les grands axes de cette réunion. Je vous remercie. Merci, M. le secrétaire général. Monsieur le préfet du département de Simbakari, messieurs les sous-préfets, monsieur le député de la commune de Simbakari, nous sommes donc à notre deuxième réunion du conseil municipal et formellement la première session du conseil. Nous allons consacrer notre rituel actuel qui consiste à vérifier le quorum des conseillers